Si les modes de déplacement doux ont conquis les villes, c'est un peu plus rare dans les campagnes. Nous sommes à Voux, un petit village dans le sud Touraine. C'est ici, depuis sa maison, que Gaëtan prépare sa tournée de livraison de pain. C'est une centaine de kilos qu'il tracte avec son vélo depuis maintenant 3 ans. Un choix de vie où le temps est la vraie richesse. C'est une décroissance choisie, parce que je suis persuadé que décroissance il y aura. Et on a deux possibilités, soit la subir, soit la choisir. Et voilà, j'aime autant choisir. Gaëtan livre aussi bien des particuliers que des commerces qui font office de dépôts de pain, mais aussi des entreprises qui veulent du bon pain pour leurs salariés. Salut. Ça va ? Déjà parce que le pain est très bon, première chose. Deuxième chose, c'est un pain bio. Et puis le mode de livraison nous a paru très en phase avec l'entreprise et puis avec la façon de travailler. Si le vélo peut surprendre en territoire rural, Gaëtan est pourtant très bien accueilli. Bah, accueilli avec beaucoup de bienveillance. Le vélo, ça, enfin, j'ai fait pas mal de voyages en vélo aussi. Il y a toujours ce côté où tout le monde se reconnaît un petit peu dans le vélo. On a tous fait du vélo, on sait tous en faire à minima. Et non, c'est un accueil qui est très positif. On me demande souvent combien de temps tu mets pour faire la tournée. Et en fait, je mets un peu plus de 4 heures. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé à discuter avec les gens et c'est quelque chose que j'aime, qui est fatigant. À la fin de la journée, je suis fatigué, mais c'est agréable. Les livraisons ont lieu toute l'année, qu'il vente ou qu'il pleuve. Donc si vous passez à Voux, vous saurez où demander votre pain.